La solitude est au cerveau ce que la mastication est à l'estomac. Oh, c'est beau ça! Je l'ai improvisé. Oh, comment? Oh, notez-le dans les commentaires. Applaudissez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous le refaire. J'ai pas fait exprès, mais je vais l'assumer sur ce coup-là. Hashtag Franck Nicolas. Hein. Hashtag Franck Nicolas. Hein. Je vais le refaire. La solitude est au cerveau ce que la mastication est à l'estomac. Oh, c'est bon, c'est bon. Vous avez compris le principe ou pas? Ce que je voulais vous dire, c'est que vous ne traitez pas des situations et votre cerveau ne va pas traiter mentalement cela. Mais plus que mentalement, si j'étais plus précis, je parlerais peut-être sur le plan des émotions. C'est-à-dire que vous allez déclencher de mauvaises émotions parce qu'elles n'auront pas été digérées. Et votre santé mentale, au bout d'un moment, va en souffrir. Et voilà pourquoi, quand vous n'utilisez pas la solitude, vous ne réalisez pas que vous avez des comportements ou des idées destructrices. Et finalement, ça entraîne une anxiété monumentale qui peut, elle aussi, si c'est en plein hiver en plus, arriver à la dépression.